s'agit de ma fille Adèle. Vous savez qu'elle commence à se débrouiller. J'ai entendu dire qu'elle joue remarquablement. Pour le moment, elle doit passer des concours. Vous savez que je suis son professeur. Il n'y a qu'un problème, nous n'avons pas trouvé d'accompagnateur de son niveau. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser de jouer avec ma fille. Allez, maintenant tu te concentres. Ton grand-père est dans la salle, c'est important de bien jouer. Il faut que tu lâches tout, tu comprends? Comme si tu étais amoureuse. Quand on est amoureux, on rayonne, ça se sent dans le jeu, ça vibre. Si tu dis quelque chose, je te casse les doigts. Thomas! Il suffit pas de le vouloir, c'est du travail. Tu travailles comme un amateur. Je te demande pas si t'as envie, je te demande de jouer. C'est pas comme ça que je conçois la musique. Vouloir toujours gagner, ça arrive. Tu le verras plus jamais, t'as compris? C'est ça, compte sur moi. Tu travailleras avec Alexandre. Qu'est-ce qu'il fera plus tard? Je sais pas, faut décider ça aujourd'hui. Oui. Alex, tu lèves un peu plus la perche. Tu veux travailler avec lui? Vas-y. Va-t'en. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de normal. Je dors quand il faut dormir, je mange quand il faut manger. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger, donc je vais aller manger. Mes enfants ne sont pas des enfants normaux. Ce sont des musiciens.